revenir un peu en arrière pour vous dire que le moment où on m'a déclaré que votre enfant est sourd, et il y a une surdité profonde, vraiment ça a été choquant, c'était très difficile à accepter. Mais en fin de compte, en fonction du temps et petit à petit, je me suis arrivé, comme tous les parents, à accepter la chose. Parce que en fait, c'est une réalité qu'il faut confronter face à face. Et heureusement pour nous, il y a une association qui est fondée ici à Safi pour parler des difficultés et pour parler de communication qu'on peut affronter avec les enfants. Ce qu'on veut et ce qu'on doit améliorer, c'est ce qu'ils apprennent ici en classe, et on essaie de le concrétiser à la maison. Parce que il y a des choses que les élèves, que nos enfants apprennent ici à l'école, et on les voit sur les cahiers, d'accord. Mais comment faire pour apprendre à ton enfant ce qu'il a appris, comment faire pour approfondir, pour concrétiser ce qu'il a fait, ce qu'il a appris en classe. Nous, en tant que père, je n'ai pas suivi de formation, d'accord. Mais ce qu'on demande, nous, et je le répète encore, c'est une sensibilisation et une sensibilisation à tous les parents pour qu'ils puissent communiquer avec leur enfant. Allez, première réussite. Notre aventure a commencé en 93 et l'idée au départ, on la doit à une sourde, à une adulte sourde sur la place. C'est une jeune qui travaille dans une association qui s'appelle Association Culture et Loisirs, très dynamique. Elle travaille comme animatrice, elle fait du théâtre, du cinéma. Et elle a vu un peu toutes les activités que l'association fait en faveur des jeunes en général. Et un jour, elle a posé la question, pourquoi pas nous ? Vous pensez à tout le monde sauf aux sourds. Et ma foi, c'est comme ça que l'idée est née. Et elle était venue me voir avec une amie d'elle, une sœur, Marie-Blanche. Ils étaient venus me voir et m'ont proposé le projet. J'y ai adhéré tout à fait naturellement. Étant ORL, je vois le problème de la surdité, je ne dirais pas tous les jours, mais fréquemment. Mais malheureusement, quand ces enfants, on ne peut rien leur proposer médicalement, c'est des sautes profondes. Il reste toute la prise en charge socialement, disons, qu'il faut faire et qui était inexistante à l'époque. Et donc pour moi, médecin, c'était un peu la continuité de mon ordonnance. Et c'est à ce titre que j'ai adhéré au projet. Et ma foi, je n'ai pas à m'en plaindre parce que c'est une aventure et c'est un plaisir renouvelé jusqu'à maintenant. Et j'espère qu'il va continuer. C'est une aventure parce qu'à l'époque, officiellement, au niveau des instances officielles, on ne se préoccupait pas des problèmes des handicapés. Et donc, je me rappelle,
quand j'étais voir les officiels, à la limite, on ne voulait pas nous recevoir. On nous recevait poliment, mais certainement pas pour nous proposer quelque chose pour nous. Mais notre foi était plus grande, on a persisté dans notre idée, nous avons pu avoir deux salles au sein d'une école publique. Nous avons bataillé pour avoir aussi une enseignante. C'était le noyau de départ. Et puis, bien des choses se sont passées. Bien comprendre aussi, pour la plupart des enfants, ils sont déjà grands pour avoir un appareil maintenant. Hein? Ils sont grands. Ça veut dire qu'ils ont eu beaucoup d'années sans rien entendre. Au moment que maintenant ils vont avoir un appareil, ils vont, bon, avec les instincts, petit à petit, chaque fois, de nouveau, apprendre qu'est-ce que c'est un son. Hein? Parce qu'ils ne savent plus qu'est-ce que c'est quelqu'un qui crie, une porte qui claque, une voiture qui part. Maintenant, pour tout le monde, pour les instits, pour vous, c'est très important que vous regardez votre enfant, comment il réagit, c'est bien, c'est mal, c'est trop, et que tu l'aides, parce qu'il faut beaucoup d'aide de tous ceux qui sont autour pour avoir des bénéfices de la prothèse. Pour apprendre le langage, il y a quelqu'un qui doit parler ce langage. Hein? Pour les enfants, apprennent l'arabe, il y a quelqu'un qui doit parler l'arabe. Quand il y a un enfant, il doit apprendre l'anglais, il y a quelqu'un qui doit parler en anglais. Mais le plus important aussi, c'est à savoir que ces enfants ont des choses à dire. Hein? Hein?
des choses plus que j'ai faim, je veux jouer, attention à la maison pour la télé, la radio et tout ça. Quand il y a beaucoup de monde ensemble comme maintenant, pour quelqu'un qui a des appareils, c'est très 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 fatigant. Mais très heureux, madame. Que Dieu te bénisse. C'est pas moi, c'est le ministère marocain. Moi j'ai fait autre chose. Moi j'ai travaillé avec les enseignantes. Merci. Ça me fait plaisir. Nous aussi, nous les parents, on vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir pour nos enfants parce qu'on est déjà désespérés pour eux. Ouais. On espère Dieu. Non, mais je crois que vous pouvez être aussi assez à l'aise avec l'école qu'il y a à sa fille parce que c'est une bonne école. Bien, c'est vraiment. Bon, il y a des instituts qui font beaucoup de travail et. On les remercie. C'est pas toujours facile. Ils font du bon travail. De notre centre actuellement, il comporte 4 salles de classe. La première salle de classe, elle est réservée seulement aux appareils audiologiques. La deuxième classe comporte 3 niveaux, la première année, deuxième année, troisième année de l'enseignement fondamental. La deuxième classe comporte 2 niveaux, la quatrième et la cinquième année de l'enseignement fondamental. Et la troisième classe, c'est la classe maternelle, où il y a un groupe de 8 enfants avec 2 niveaux. يبتدئ من يوم 21 سبتمبر شو تنبير ينتهي في يوم 21 دجنبر في فصل الخريف ماذا يقع تهب الرياح وتسقط أوراق أشجار و يحرط الفلاح الأرض بالمحراث. أربعة، خمسة، ثلاثة، سبعين، اثنين، مشطب، تقريبا حد أمين. إعداد غير مناسبة. ثلاثة، داخلة دائرة، نعد كم؟ كم هي إعداد داخل دائرة؟ أربعة، عدد L'effectif est de 40 élèves. Mais il y a toujours le problème de transport parce que la plupart des gens, ils habitent loin de l'école et ça cause souvent l'absence des enfants. Grâce à la formation qu'on a eue, nos enfants bénéficient maintenant de plusieurs disciplines pédagogiques telles que l'éducation auditive, puisqu'on a eu le matériel de l'organisme belge. On se donne de la peine pour faire l'éducation auditive, la psychomotricité, l'éducation sensorielle aussi. Comme objectif d'apprendre aux enfants à lire, à compter et à écrire.
Mais après, on a d'autres objectifs, c'est de communiquer, de leur donner un bagage pour communiquer, de s'intégrer dans la vie sociale et d'avoir un métier. Tous les enfants sourds sont tenus compte de leurs âges. C'est-à-dire qu'on a eu des groupes entre 7 ans et 14 ans. Mon travail concerne tout ce qui est audiologique, faire des audiogrammes pour les enfants, un suivi d'audition pour les enfants. Évaluation d'audition chez les enfants, de contrôler les appareils auditifs pour les enfants, faire un peu d'éducation auditive. Grâce à ce matériel, on a changé nos méthodes et les enfants ont senti ce changement. Même si je veux vous parler, même dans le jeu, on n'avait pas assez de jeux pour les enfants. Et grâce à ces jeux, nos enfants s'épanouissent plus. Il y a aussi une communication qui vient s'installer grâce à ces efforts et à ce matériel si présent parmi nous. On a une pièce qui est faite sur base de cette pièce, de cette enceinte-là, avec un modèle particulier, avec un anneau. C'est le résultat. Un laboratoire d'un bout à sa fille commence à se justifier, pas spécialement à sa fille, mais au Maroc, disons, parce que depuis peu, le ministère de la Santé a été d'accord de donner des appareils aux enfants. Et s'il y a des appareils, l'embout est obligatoire. Ça va ensemble. Un appareil sans embout ne fonctionne pas. Et il est intéressant que au Maroc, on soit capable à tout moment de changer un embout pour que l'enfant ne reste pas sans son appareil. Et c'est pour ça qu'on aussi, à sa fille, on a décidé de créer un laboratoire, pas uniquement pour sa fille, mais pour toute association qui en a besoin. Et c'est très important parce que ça ne peut pas être pour rien que sa fille. Ça peut être pour toutes les associations, tous les handicapés peuvent en profiter. Et on vient former ici, en plus des malentendants, c'est une justification supplémentaire, ça leur donne l'envie, disons, d'améliorer leurs congénères, disons, ceux qui sont aussi malentendants que eux. C'est un stimulant supplémentaire. C'est la première fois que ça se fait, des malentendants qui font leur propre pièce d'oreille. C'est une première mondiale, c'est super. Ça prend un peu plus de temps pour leur apprendre, bien sûr, mais en général, ils s'en sortent très bien quand ils ont compris l'utilité. Et en plus, ce qu'ils font, ils font une pièce d'oreille pour eux. Ils la testent sur eux. En gros, voilà l'utilité d'avoir un laboratoire performant ici à sa fille. قمنا بواحد اجتماع ما بين آباء التلاميذ وأطر العاملة بمركز وداد لرعاية الأطفال الصم، وهذا الاجتماع كان الهدف ديالو الأول هو حث الآباء على معاملة أطفالهم ومساعدتهم
بحيث خداو الآلات السمعية والآن ما تيعرفوش كيفاش يتصرفوا معها. أعطيناهم نصائح كيفاش يتعاملوا مع الطفل الأصم وهو بالآلة السمعية، وشافوا جميع المرافق، زاروا جميع المرافق ديال المدرسة، وحاولنا ناخدوا واحد الأب الأوديوغرام ديالو باش يعرف كيفاش الإبن ديالو، كيفاش هاد الشيء صعيب والمعاملة صعيبة. Et les enfants font très attention parce que c'est eux qui l'ont dit, ils regardent bien. Il y a une petite photo, tu vas voir aussi. شافوا كذلك واحد شريط وشريط تلفزيون اللي قدمت فيه السيدة مارلين طريقة العمل في بلجيكا، بحيث كان هناك القسم ديالها هي الأطفال ديالها كتعمل معاهم واحد السيدة، والآباء كانوا مبهورين بحيث شافوا كيفاش المعاملة ديال هاد السيدة اللي تتعمل، وكنا كنترجموا لهم بالعربية، وكانوا الآباء جد مسرورين بمشاهدة هاد الفيلم، وقاموا بزيارة الأقسام وتلقوا شروحات من طرف العاملات بالمؤسسة، وكان تجاوب فعال، وكان الكل راضي على هذا الاجتماع، وطلبوا باش يكون كل شهر على الأقل واحد الاجتماع باش يكونوا موفقين في العمل ديالهم في الدار مع أولادهم اللي كانوا كيأكدوا أنهم ما عندهمش الصبر معهم، وتيشوفوا نحن صابرين مع هذا التلامذ. دازت هاد الوقت فيه بزاف الحوايج مهمة، وكان لقاء جد فعال بحيث الطرفين كانوا مقتنعين بأنه خص يكون واحد التعاون بين المنزل بين الآباء وبين المربيات. Beaucoup de choses restent à faire pour les enfants sourds. Parce que les enfants qu'on a dans le centre ne représentent même pas 1% des enfants qu'on devrait toucher. Et donc, beaucoup de travail reste à faire. À chercher des audioprothèses pour ces enfants, à les aider à s'intégrer par le travail, ou à intégrer des écoles publiques, les aider au niveau de leur affaire administrative, pour les adultes éventuellement. Enfin, beaucoup de choses. Aider la personne sourde de manière générale. Hein. Chaque fois qu'elle exprime un besoin, l'aider et l'assister. Ça, c'est l'objectif globalement. Mais il est vrai que pour le moment, nous sommes concentrés sur notre centre qui nous prend beaucoup d'énergie. Et nous nous en félicitons parce que les premiers fruits commencent à apparaître quand même. Avec notre partenariat actuel, avec une ONG belge, en l'occurrence... handicap sensoriel qui nous a beaucoup aidé dernièrement sur le plan formation, sur le plan équipement. Je n'oublierai pas aussi l'action du ministère de tutelle qui existe depuis 1995. Donc à partir de 1995, officiellement, on s'occupe des handicapés au Maroc, et donc on a profité un peu de cette volonté politique. Le ministère nous a aidés à nous équiper aussi. Dernièrement, il a équipé l'ensemble des enfants en audioprothèse. Et ma foi, je crois que le centre actuellement est bien équipé, bien armé pour assurer son objectif. Ils reçoivent des cours et en même temps, on les prépare à la vie quotidienne. Du moment qu'on a au Maroc, on a encore le travail artisanal qui est très important. Et nos enfants sourds, ils travaillent minutieusement ce qui est manuel. Ils préfèrent avoir un métier dans ce qui est artisanal. Et on a déjà vu nos anciens élèves, ils sont maintenant des tailleurs, ils sont des menuisiers, ils sont des coiffeurs. Et même dans la poterie, ils sont acceptés parce qu'ils ont une finesse dans le dessin et dans leur travail manuel. Pour ça, aujourd'hui, on a fait aussi un peu... Tous les instituts vont un peu montrer ce qu'ils font dans la classe. On va un peu regarder ce qui est installé entre-temps. Et on va surtout aussi vous laisser sentir
qu'est-ce que les enfants allaient essayer de ce que les enfants sont et entendent ou entendent pas, ou la façon que eux ils réagissent, ou quel appareil on emploie pour aider à comprendre. De toute façon, pour nous, ça va jamais être la même chose, jamais, parce qu'on entend. Mais pour avoir une petite idée, qu'est-ce que ça peut donner, ou à quel point que c'est difficile, ou parce que de toute façon, éduquer des enfants sourds, c'est difficile, c'est très difficile, parce que même avec tous les appareils du monde, tu auras toujours un problème de langage, toujours. Ça va toujours être un effort plus pour vous, un effort plus pour l'enfant, toujours. Un effort plus pour les instituts. Éduquer les enfants sourds, c'est toujours un extra. Alors pour un peu voir ensemble aussi, parce que bon, vous êtes les éducateurs à la maison et eux sont les éducateurs à l'école et ça doit aller ensemble pour arriver à quelque part.